Bonjour, chers apprenants. Bonjour, madame. Bonjour à nos apprenants qui nous suivent depuis la maison. Je suis madame Bathilde Tecli Nadjili Londou, enseignante en classe de CM2. Soyez les bienvenus à notre école à domicile. Bien, avant de commencer, vous devez être attentifs. Nous allons voir une nouvelle leçon en orthographe grammaticale. À la fin de la leçon, tu dois être capable de compléter les homophones grammaticaux en et en dans les phrases. Est-ce que vous avez suivi? Oui, madame. Bien. Qui peut conjuguer le verbe avoir au présent? Marie. J'ai. On continue. Radney. Tu as. Il a. Le roi. Nous avons. Dylan. Vous avez. Yann. Il prend. Très bien. Nous venons de conjuguer le verbe avoir quel temps? À quel temps, Stilbert? Au temps présent. Quel présent? Quel présent? Oui, le roi. Au présent de l'indicatif. Très bien. Un petit bravo. On suit au tableau. Il y a un texte que la maîtresse a écrit au tableau. On va faire la lecture silencieuse. Suivez la lecture de la maîtresse. Texte. On a inscrit nos enfants au club de basket. Ils ont très envie d'apprendre à dribbler. Qui peut lire comme la maîtresse? Oui, Dylan? Texte. On inscrit nos enfants au club de basket. Ils ont très envie d'apprendre à dribbler. O'Brien? Texte. On a inscrit nos enfants au club de basket. Ils ont très envie d'apprendre à dribbler. Bouzok. Texte. On inscrit nos enfants au club de basket. Ils ont très envie d'apprendre à dribbler. Très bien. On a suivi la lecture. Bien. Nous avons deux mots qui sont écrits en couleur rose. Quels sont ces mots, Patrick? En et en. En et en. Comment on a écrit le premier en? Sephora. Le premier en est écrit O-N. Et le deuxième en? Oui, Orsia. O-N-T. Très bien. Ces deux mots ont quoi de commun? Ces deux mots ont quoi de commun? Oui, nous avons. Ils ont la même prononciation. Très bien, ils ont la même prononciation. Très bien. On continue. Le O, en de O-N. C'est quoi? Quelle est la nature de en de O-N? Oui, Sephora. Très bien, le en de O-N, c'est un pronom personnel. Très bien. Le roi répète. Le on de ON est un pronom personnel. Et tout le monde? Le on de ON est un pronom personnel. Bien, on continue. Dans une phrase, on peut le remplacer par quoi? Dans une phrase, on peut le remplacer par quoi? Oui, Radnet. Dans une phrase, on peut le remplacer par il ou elle au singulier. Il ou elle au singulier. Il ou elle au singulier. On est sur la barre. Qui va remplacer ici dans la phrase Dylan? Ensuite. Il a inscrit nos enfants au club de basket. Très bien. À elle, on dit. Oui, Patrick. Elle a inscrit nos enfants au club de basket. Très bien. Est-ce qu'on peut encore remplacer ça avec quelque chose d'autre? Avec un autre mot, oui, O'Brien. Vous pouvez aussi le remplacer avec un nom. Un nom. Le nom d'une personne. Je prends un exemple, Jean. On remplace avec Jean. Yann remplace avec Jean. On va dire quoi? Jean a inscrit nos enfants au club de basket. Au club. Très bien. Donc, le on de on, c'est un pronom personnel. Dans une phrase, on peut le remplacer par il, elle, qui sont des pronoms personnels ou par un nom. Est-ce qu'on a suivi? Oui, madame. On a suivi? Oui, madame. Bien, on va continuer. On prend le on de on, t. Qui peut donner la nature de on, de ont? Oui, Orsia. On parle fort. Le on de ont, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la place de la personne. Très bien. Qui peut reprendre ce que vient de dire Orsia et Dylan? Le on de ont, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. O'Brien. Le on de ont, c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Quel présent, O'Brien? Le présent de l'indicatif. Le suivant. Le on de ont, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. La suivante. Le on de ont, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. La suivante, on continue. Le on de ont, c'est le verbe avoir conjugué au temps présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. On passe ici, Stilbert. Le on de ont, c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Bien. Yannick. Et le on de on, c'est quoi? Ont. Le on de ont, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Très bien. Dans une phrase, on peut remplacer le on de ont par quoi? Dans une phrase, on peut remplacer le on de ont par quoi? Le roi. Avec. Avec, comment tu écris avec? Épelle. Avec s'écrit A, V. Oui, continue. A, V, A, I, S. A, I, S. Qui va ajuster? Oui, et Patrick. E, L, T. A, I, E, N, T. C'est quelle personne? C'est quelle personne? C'est quelle personne, O'Brien? C'est la troisième personne du pluriel. C'est la troisième personne du pluriel. À quel temps? C'est quel temps, oui, vous autres? Au temps présent. Au temps présent, avec, au temps présent. En, c'est au présent. Avec aussi, c'est au présent. Oui, Orsia. Le futur. Radnet. À l'imparfait. Quel imparfait? Quel imparfait? Le présent de l'indicatif et l'imparfait de? L'indicatif. On se lève, O'Brien. L'imparfait de l'indicatif. Très bien, un petit bravo. Deux bravos. Bien, on continue. On remplace par avec. On peut aussi remplacer ça par quoi? On peut aussi remplacer en par quoi? Oui, Dylan. Oran. Oran. Comment tu écris Oran? A. A. U. U. R, O, N, T. Très bien. C'est quelle personne? La troisième personne du pluriel. La troisième personne du pluriel. À quel temps? À quel temps? Oui, c'est Sephora. Au futur. Au futur. Quel futur? Au futur de l'indicatif. Au futur. Il manque quelque chose. Il y a deux futurs. Oui, Patrick. Le futur simple. Le futur simple de l'indicatif. Très bien. Un bravo. Très, très bien. On continue. On va essayer de remplacer dans la phrase. qui peut remplacer on ici par avec et auront. Marie remplace avec, on enlève on remplace par avec. Il continue. Il avait très envie d'apprendre à Marie suit. Ils avaient très, ici tu fais la liaison, ils avaient très envie de dribbler, c'est dribbler, vas-y, reprends. Ils avaient très envie de dribbler. D'apprendre à dribbler. Très bien, donc ici, avec, ça sonne bien ou ça ne sonne pas bien? Ça sonne bien. On reprend. Ça sonne bien ou ça ne sonne pas bien? Ça sonne bien. Très bien. On remplace par Oran. O'Brien. Ils auront très envie d'apprendre à dribbler. Très bien. Ils auront très envie d'apprendre à dribbler. Ça sonne bien ou ça ne sonne pas bien? Ça sonne bien. Bien. Nous avons suivi. Donc, ici, le on de ONT, qui est le verbe avoir, conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel dans une phrase peut être remplacé par avec et auront. Nous venons de voir le on de ON et le on de ONT. Le on de ON, c'est le pronom personnel. Il peut être remplacé par il ou elle ou le nom d'une personne. Le « on » de « ONT », c'est le verbe « avoir » conjugué au temps présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. On a suivi, c'est bien. Donc, on continue. Quel sera le titre de notre leçon? Quel sera le titre de notre leçon? Nous venons d'écrire le « on » de ON et le on de ONT. Oui, O'Brien. Le titre de notre leçon sera l'écriture des homophones et on. Très bien. L'écriture, écriture des homophones. Il manque un mot là. Les homophones. Oui, Brian. Des homophones grammaticaux. Radney reprend. Écriture des homophones grammaticaux en et. Écriture des homophones grammaticaux. Le suivant, on reprend. Le suivant. Bien, on doit parler fort. Qu'est-ce que nous allons retenir? Qu'est-ce que nous allons retenir? Nous avons le on de ON et le on de ONT. Bien, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre en de ON et en de ONT. Bien, c'est quoi en de ONT? En de ONT, oui Patrick. Le on de ON. Le on de ON, c'est le pronom personnel. Un pronom personnel. Un pronom personnel. Oui, un pronom personnel. Le suivant, on reprend. Le on de ON. Le on de ON est un pronom personnel. Un pronom personnel. Le suivant, derrière la suivante, c'est une fille. Oui. Un pronom personnel. Bien. Il peut être remplacé par quoi? Oui, le roi. Il peut être remplacé par il ou elle. Il peut être remplacé. Il peut être remplacé par il ou elle au singulier. Très bien. Yann reprend le on de ON. Vas-y. Ou par quoi encore? On peut remplacer le on de ON par quoi? Oui? On peut remplacer le on de ON par un nom. Par un nom. Ou par un nom. Bien. On continue. Qui va donner un exemple avec le on de ON? Un exemple. Un exemple. Oui, Bouzok. On mange dehors. On mange dehors. Oui, un autre exemple. Papa et maman ont voyagé au sol. Le on de ON. Le on de ON, oui, O'Brien. On est en place. On est ou on parle. On parle. On parle en classe. On parle en classe. Très bien. Là, on peut remplacer par il parle en classe. Il parle en classe ou j'en parle en classe. On continue. Le on de ONT. Le on de ONT. Oui, Dylan. Le on de ONT, c'est quoi? Le on de ONT, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Le verbe avoir. Qui peut répondre? Oui, tu réponds? Le verbe. Le on de ONT. Le on de ONT, c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif conjugué à la troisième personne du pluriel. Le verbe avoir. La suivante, le verbe avoir. Le verbe avoir. Le verbe avoir, c'est le verbe, le on de ONT, c'est le verbe avoir conjugué au présent. Qui encore? Qui peut reprendre? Adnet? Le on de ONT, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Le suivant? Le on de ONT, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Qui n'a pas parlé? Patrick? Il manque qui? Oui, Orsia. Bien, on peut le remplacer par quoi? On peut le remplacer par quoi? Oui, Dylan. Il peut être remplacé par avec ou auront. Il peut être, oui, reprends. Il peut être remplacé par avec ou auront. Il peut être remplacé, par Par quoi, oui? Avec ou auront. Par avec ou auront. Yann, tu reprends. Il peut être remplacé par quoi? Il peut être remplacé par avec ou auront. Très bien. Qui va nous donner un exemple? Qui va donner un exemple? Qui va donner un exemple? Oui, Stilbert. Un exemple. Les enfants, nos voisins, ont une table blanche. Très bien. Nos voisins, reprend. Nos voisins ont une table blanche. Nos voisins ont... On change de couleur. En une table blanche. Une table blanche. Très bien. Nos voisins ont une table blanche. Nos voisins ont une table blanche. C'est bon? Oui, madame. Bien. Ensuite, je fais la lecture. Orthographe grammaticale, écriture des homophones grammaticaux. En. Je retiens. Il ne faut pas confondre en et en. En, le ON, un pronom personnel. Il peut être remplacé par il ou elle au singulier ou par un nom. Exemple, on parle en classe. Il parle en classe. En de ONT, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Il peut être remplacé par avec ou auront. Donc, vous prenez les cahiers avant qu'on écrive. O'Brien, vas-y, fais la lecture. Orthographe grammaticale. Écriture des homophones grammaticaux en et on. Je retiens. Il ne faut pas confondre en et on. En, un pronom personnel. Il peut être remplacé par il ou elle, singulier ou par un nom. Exemple, on parle en classe. Il parle en classe. En de ONT, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Il peut être remplacé par avec ou pour. Exemple, nos voisins ont une table blanche. Bien, Dylan. Écriture des homophones grammaticaux en et en. Je retiens. Il ne faut pas confondre en et en. Le en de on est un pronom personnel. Il peut être remplacé par il ou elle, au singulier ou par un nom. Exemple, on parle en classe, il parle en classe. Le en de ont, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Il peut être remplacé par avec ou auront. Exemple, nos voisins ont une table blanche. Bien, on va s'entraîner. Suivez. Prenez vos feuilles. Bien, on écrit. On mange dans la cour de l'école. On mange dans la cour de l'école. On mange dans la cour de l'école. Il faut écrire vite. On mange dans la cour de l'école. Il faut écrire gros. en manche dans la cour de l'école. Vous avez fini? Oui, madame. Attendez, je vais vérifier. En manche dans la cour de l'école. C'est bien. C'est bien. En manche dans la cour. Tu as sauté manche. En manche dans la cour de l'école. En mange, c'est bien. Ici, mange. En mange dans la cour de l'école. Très bien, qui peut corriger au tableau? Qui peut corriger au tableau, Radney? Écris gros. On suit au tableau. Lis. On mange dans la cour de l'école. Appelle un ami. Patrick. Lis. Patrick lit. On mange dans la cour de l'école. Et c'est bien, Patrick? Oui, c'est bien. Et les amis? Oui, c'est bien. Très bien. Celui qui n'a pas trouvé, corrige. J'ai vu. Orsia, tu n'as pas écrit mange, le roi, tu as faussé mange, on corrige. Yann, tu as faussé en. Ici, on peut remplacer par en par Yann. Yann mange dans la cour de l'école. Ça sonne bien ou ça ne sonne pas bien? Ça sonne bien. Donc, on met le on de O-N. Bien. Une autre phrase. Fini. Une autre phrase. Papa et maman ont une belle voiture. On apprend à écrire vite. Papa et maman ont une belle voiture. Papa et maman ont une belle voiture. Tout le monde a fini? Oui. Qui n'a pas encore fini. Orsia, le roi, Marie, tu as fini? Bien. On vérifie. Très bien. Très bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Très bien. Très bien. Qui passe au tableau? Qui passe au tableau? Cyber. Vite. Vite, 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 vite. Ça va? Vas-y. Voilà. Va écrire. Ensuite, tout le monde en suit au tableau. papa et maman. Papa et maman. Et maman, oui, continue. En une belle voiture. Belle. Voiture. Mets le point. Bien, lis et tu appelles un ami. Lis fort, on t'écoute là-bas. Papa et maman ont une belle voiture. Appelle un ami. Vite, vite. Le roi lit. Papa et maman ont une belle voiture. Est-ce bien? Oui, c'est bien. Très bien. Un bravo. Un bravo. Deux bravos. On s'assoit. Bien. On a suivi, qui n'a pas trouvé. Tout le monde a trouvé. Bien, recopier la leçon. Bien. Si on a, on continue. On ne parle pas. Il faut aussi. Bien. Suivez, je vais faire la lecture de l'exercice. Exercice, déposez les stylos. Tu viens de voir les homophones grammaticaux en et en. Dans ton cahier de devoirs, complète-les dans les phrases. Point, 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 acheter, si comprimé. Mes voisins, point, 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 3 enfants. Point, 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 a annoncé la nouvelle à sa mère. Nos parents, point, 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 voyager ensemble. Dylan, lis l'exercice. Exercice. Tu viens de voir les homophones grammaticaux en et en. Dans ton cahier de devoirs, complète-les dans les phrases. Point, 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 à acheter si comprimé. Mes voisins, point, 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 3 enfants. Point, 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 a annoncé la nouvelle à sa mère. Nos parents, point, 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 voyager ensemble. Bien. Ensuite, nous avons 4 ici. On va compléter 4 1. Donc, numéro 1, pour gagner du temps, quand tu mets le numéro 1, tu mets quel 1 que tu vas mettre. On se comprend? Oui. On a compris? Oui, madame. Bien. 1, 2, 3 et 4. Allez-y. Vous allez juste mettre 1. C'est quel 1? 2. Laissez la... Faites directement l'exercice. Tu mets 1, voilà, 2. Tu mets 1, 2, 3. Ça, après, après, après. C'est bien. C'est bien. Bien, on passe à la correction. Le premier 1 qui n'était pas au tableau. Vas-y. Point, 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 acheter si comprimé. Vas-y. On achetait si comprimé. Je peux remplacer le on de on par elle achetait si comprimé. Tu remplaces le on de on par. Je remplace le on de on par. Il peut être remplacé par il ou elle. Il ou elle. Donc, il a acheté si comprimé. Très bien, un bravo. Qui passe? Oui, O'Brien. Oui, tu effaces. Oui. Les voisins ont 3 ans. J'ai mis le O avec ONG parce qu'on peut remplacer ce on va avec O. Et remplace, vas-y. Les voisins auront 3 ans. Très bien. Il passe au tableau. Yann. Dylan. Point, point, point a annoncé la nouvelle à sa mère. On a annoncé la nouvelle à sa mère. Oui. J'ai mis le on de on parce qu'il peut être remplacé par il ou par un nom. Très bien. Il a annoncé la nouvelle à sa mère. Une fille, 8 maris. Vite. Nos parents, regarde bien. Voyage. Il y a l'accent. Comment on va lire? Voyage. Oui. Le roi? Voyager. Voilà. Nos parents voyageaient ensemble. Tu vas remplacer par? Quel on? On de O-N-D. Très bien. Vas-y. Pourquoi tu as mis le « on » de « ont » ? Parce que le « on » de « ont », c'est le verbe. Tu vas dire quoi? Nos parents avaient voyagé. Très bien. Un bravo pour tous ceux qui ont trouvé. Un bravo. Deux bravos. Bien. Pour tout le monde a trouvé. S'il y a une personne qui n'a pas trouvé, elle prend la correction. Nous sommes au terme de notre leçon. Au revoir et à la prochaine. Au revoir, madame.